Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous remercie en quelque sorte parce que vous m'avez aidé à partager mes vidéos dans les différents groupes de Facebook. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous encourage maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, si vous avez besoin d'acheter un billet d'avion, okay, vous pouvez visiter mon site web, okay, qui est 1d3triponline.com. Si vous avez besoin de faire une réservation d'hôtel, si vous avez besoin d'acheter une assurance de voyage, n'hésitez pas à visiter mon site web pour pouvoir acheter, okay, votre service. Ou bien, vous pouvez me contacter directement sur le numéro que vous voyez, n'est-ce pas, qui est en train de passer devant vous sur YouTube. Ok, vous pouvez me contacter directement sur ce numéro que vous voyez à l'écran. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble, ok, Brésil, ok, nationalité par naturalisation. Nationalité par naturalisation. Il nous ferait un grand plaisir de répondre à vos questions et de discuter des préoccupations que vous pourriez avoir relatives à l'obtention de la nationalité brésilienne. Loi et règlement. Constitution du Brésil de 1988. Nationalité brésilienne. Conditions. Ok, nous allons commencer d'abord avec les conditions. Conditions. Le numéro 1. Avoir résidé au Brésil au moins 4 ans. Numéro 2. Le délai de 4 ans de résidence peut être réduit à 1 an de résidence, à condition d'avoir un enfant ou un conjoint brésilien. Ou si vous avez un parent brésilien. Le numéro 3. Vous pouvez demander la citoyenneté brésilienne après 2 ans. Si vous êtes recommandé par votre capacité professionnelle, scientifique ou artistique. Vous pouvez demander la citoyenneté brésilienne après 3 ans si vous possédez des biens immobiliers au Brésil ou des fonds nécessaires. Documents requis. 1. Formulaire de demande complété. 2. Photo d'identité récente. 3. Passeport et carte d'identité. 4. Certificat de naissance. 5. Certificat de mariage. 6. Certificat de police de bonne conduite. 7. Exercer deux métiers ou posséder des ressources financières suffisantes. 8. Preuve de résidence au Brésil. Registre des résidents permanents au Brésil. C'est ce qu'on appelle RNE ou RNM. Ok, pour des étrangers. 9. Avoir des connaissances de la langue portugaise. 10. Certificat de santé. Le certificat de la langue portugaise est obligatoire. Sans le certificat de langue portugaise, il est difficile et même impossible de naturaliser brésilien. Processus. Nous allons vous offrir une consultation concernant le processus d'immigration et les démarches à entreprendre pour obtenir la citoyenneté brésilienne. 2. Vous aurez à préparer et légaliser les documents requis. Ok? 3. Nous avons une équipe de traducteurs qui sont responsables de la traduction de toute documentation au portugais. 4. Nous préparons votre application et la soumettre à les autorités brésiliennes. Ou bien,
division de nationalidade e naturalização do Ministério da Justiça. 5. Dans le cas d'une décision favorable, vous obtiendrez un certificat de nationalité qui doit être inclus dans votre demande pour l'obtention du passeport brésilien. Membre de la famille. Les enfants âgés en bas de 10 ans sont inclus dans le processus et demandent pour l'obtention de la citoyenneté brésilienne. Information additionnelle. L'acte juridique de naturalisation est une attribution de compétences exclusives de poder executivo. L'enfant des parents étrangers né sur le territoire de la République fédérale du Brésil a le droit de demander la nationalité brésilienne et le passeport brésilien. Notez, les parents ne doivent pas être au service de leur pays d'origine. Commencez votre procédure d'immigration avec nous. Si vous désirez de plus amples informations, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez visiter mon site web, ok, www.maitresoftware.com, M-A-I-T-R-E, software, S-O-F-T-W-A-R-E.com. Ou bien vous pouvez visiter mon site web qui est www.jeanfritznelpetion.com. Visitez mon site web. Je suis disponible et disposé à vous aider à acquérir la nationalité brésilienne. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.